Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a un plaisir, on le fait encore pour l'ensemble pour nous présenter au programme ça dans langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info, c'est dernier sorti nous pour ce maintenant. Et je vous dis, c'est vendredi 13 septembre 2024. Par bon ici au palais de Friday the 13. Et quel grand point cap marqué actualité. Haïti recevra hier jeudi à un groupe policier et militaire, 22 qui sortit Jamaïque et 2 Belize, pour rejoindre policier Kenya qui déjà sous place dans le cadre mission multinationale pour appui sécurité dans le pays d'Haïti. Zafè accusation républicain yo fait contre Haïtien dans Springfield, dans l'État Ohio, continue à provoquer réaction en Haïti et dans la diaspora haïtienne. Actualité électorale ici aux États-Unis, Parti démocrate là et Parti républicain a cherché sympathie jeune dans génération Z là qui a joué un rôle important dans l'élection présidentielle novembre 2024. Et dans Sénégal, président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale là et fixe nouvelle élection législative pour mois novembre cabine là. Et c'est point ça yo avec l'autre accord nous allons développer pour dans yon petit moment et premier point d'actualité, c'est Haïti recevoir hier jeudi à un nouveau groupe policier et militaire, 22 qui sorti dans le pays Jamaïque et 2 sorti dans Belize. Ils ont rejoint policier Kenya qui était déjà dans le pays. Nous allons rejoindre Steven Massado Vilme depuis Port-au-Prince. Tant que ça a été annoncé, il y a en total 24 militaires mélangés avec policiers qui sont partis du premier contingent pays Jamaïque là, qui arrivaient dans le pays à journée jeudi 12 septembre 2024 là, dans la mission multinationale appui à sécurité MMAS là. Selon les détails qui disposaient, il y a 24 là d'ailleurs ces militaires qui font partie de la force de défense pays Jamaïque là, avec 4 officiers police pays là. Cependant, il y a 2 autres qui sont policiers militaires pays Belize qui font partie de troupes là. C'est directeur général de police, Normil Rameau, a commandé en chef mission, Outengue Godfrey, qui était recevoir troupes là. La déclaration était faite en date 10 septembre passé. Le premier ministre pays Jamaïque, là, Andrew Holness, a fait connaître c'est en total 200 policiers et soldats payés à Cap Gué pour déployer dans cette mission. Après toujours dans Port-au-Prince, réaction continue à tomber sous scandale corruption BNC-CTPA et homme de loi, maître Jonas Revanche, lui-même, il souhaitait que 3 conseillers fassent retrait dans l'institution pour capable permettre que l'enquête là aboutit. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. 3 membres dans le conseil présidentiel transition hein, qui gagnent non cité dans le scandale corruption, hein, nous voulons parler de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin te répondent à une question jeudi 12 septembre 2024 là, pour une deuxième fois consécutive commission enquête unité lutte contre corruption ULCC sans présence accusateur Raoul Pierre-Louis, ancien président BNCA, qui était doué là dans le cadre d'un face-à-face avec 3 conseillers présidentiels par rapport à dossier 100 millions de gouttes là. Un ancien commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince, maître Jonas Revanche, qui analysait la situation, ça, quoi, conseiller présidentiel, yo, qui indexé dans le dossier, ça, t'as dû démissionner. N'a interpellé président CPTA tout. Jusqu'à présent, il y a un rôle pour jouer en tant que président. Peut-être qu'à faire l'entre eux, même si on n'a pas besoin de pousser de eux. Sinon, et peuple là, vous pouvez pousser de eux. Sinon, c'est même clamé public, ça, vous pouvez pousser de eux. C'est la force politique qui va résoudre la question. Donc, on n'en a pas besoin d'arriver là. Donc, nous avons assez de brigandage, nous avons assez, n'est-ce pas, de choses qui font la honte, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Maître Jonas Revanche dit, si pas gagne rien qui fait par rapport à dossier ça, ça capable de gagner incidence très grave sous réussite transition. En tant que professionnel du droit, il y a intérêt pour être capable momentanément, démettre des fonctions, yo. D'ailleurs, ça va avoir une grosse répercussion sur la formation du conseil électoral. Donc, vous pas avoir des suspicions sur vous, et que qu'on y a là, on va le former l'autre institution. Donc, vous pas qu'on est mouni pas choisi, est-ce qu'elle pas qu'on t'y va en bas, on veut toutes ces suspicions pour retirer. Deuxième problème qu'on va gagner, pas oublier, gagner, il y a une là-dedans qui gagne en octobre là pour la fonction.
ou non blocage total ou stérilité totale. En tout cas, ULCC entend convoquer pour une nouvelle fois ancien président conseil administration BNCA avant de fixer sous enquête ça d'après information qui est disponible. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Fon dit que avocat monsieur Pierre Lieu dit que eh ben yo pas qu'à aller yo l'a demandé pour démission ou bien révocation trois membres conseil présidentiel transition yon dossier qui toujours nan actualité a. Et l'autre point nan actualité a gagné premier ministre Gary Conny ak DGPNH là eh ben yo multiplié rencontre ak partenaires internationaux sous grand défi pays a confronté journée jodia notamment des questions phénomène insécurité a nous parlons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conny rencontré hier jeudi un représentant ambassadeur grand corps diplomatique qui accrédité dans pays d'Haïti selon une note qui sorti bon côté la primatie discussion yo pendant rencontre là téchita sous processus conférence nationale réforme constitutionnelle avec organisation élection générale en dans pays hein. Monsieur Conny également abordé stratégie financement grand chantier qui gain pour avec feuille de route gouvernement et transition politique là pendant rencontre là dans cadre coopération internationale en directeur général à la police nationale d'Haïti Nomil Ramo avec sous-secrétaire général dans affaires politiques Nations Unies monsieur Miroslav Jena gagné une rencontre qui organisé tout pendant rencontre là directeur général Nomil Ramo réitéré détermination police nationale d'Haïti pour capable mettre toute bagaille en place dans l'idée pour rétablir l'ordre avec la paix publique sur toute étendue territoire national là. De l'autre côté, numéro 1 police nationale l'a rencontré pendant semaine William O'Neill, expert Nations Unies sous situation droit moun dans pays d'Haïti. Selon un communiqué qui sorti en bas plume la police, gen plusieurs sujets qui étaient abordés sous question droit moun. Expert Nations Unies William O'Neill avec directeur général police nationale d'Haïti, yo boukante la parole sur divers défis institution la police là a fait face notamment respect droit fondal natal. Pendant semaine nan tout n'a souligné gagné un contingent soldat jamaïcain qui rentrait dans le pays d'Haïti dans perspective pour renforcer capacité opérationnelle force multinationale là cap aider police nationale d'Haïti dans cadre bataille pour couper phénomène insécurité. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. On dit que pendant ce temps, il y a un projet de résolution que États-Unis avec Équateur, yo même yo patronné pour eh ben mission multinationale qui est dans le pays d'Haïti, eh ben elle t'a transformé en mission la paix l'ONU. Donc dossier ça les dans mes conseils sécurité a donc il y a bien pour yo prendre un vote sur lui et bien que date là nous pour qu'on aime. Et puis ça fait accusation que républicain ou la gay sous dos et haïtien dans petite ville ça Springfield dans état Ohio comme quoi yo tué chien yo mangé chat et ben question ça a continué à provoquer en pile réaction en Haïti et dans diaspora haïtienne. Obed Lamy c'est envoyé spécial VOA Creole dans ville Springfield dans état Ohio. Ville Springfield est toujours sous la garde journée jeudi 12 septembre alors que situation migrant haïtien continue à faire débat. Là nous devant mairie Springfield là qui ferme pendant presque toute journée jeudi 12 septembre à cause yon menace bombe qui était faite bien bonnet dans matin, ça c'est la cause que autorité ont décidé évacuer espace là et puis venir avec unité spécialisée pour essayer évaluer situation. Nous parlons avec une résident Villain qui expliquait nous qui ça le matin. There were several police cars out in around. L'entrée là, me dit plusieurs machines la police entre les buildings. Et sinon bouche monde m'a pas prendre, c'est peut-être une menace bombe. Donc il faut fermer building là pour toute la journée. Pas vraiment gain plus information sur ça. Dans une publication sur Facebook, la police Springfield a confirmé information sur menace là. Mais situation ça la cause qui est cassée dans la communauté haïtienne, côté quelques monde t'a déjà rapporté menace sur Tavassibi. Alors bien entendu, Jean de Baye ça a limité communauté haïtienne non esprit de peur. Vous avez remarqué la rue Jean Fret, le plus souvent qu'on voit haïtien qui a monté descend à pied dans la ville là pas ouais. Ils ont peur parce que menace bombe là pas dit c'est pour haïtien lié, mais donc c'est peut-être quelques extrémistes qui menaçait comme si yo senti voix et mairie a pas tant de voix assez yo pas tant de doléances yo pas essayer montrer yo comprendre yo donc il a fait des menaces pour voir si yo ta faire
autorité au marché. Sous bon côté Payo, résidence Springfield, yo, tant que Suzanne, toujours continue plaindre pour quantité haïtien qui débarquent dans zone là. If we say it, you know, we're concerned because of the influx, the sheer numbers of Haitians. If we're white, we're called racist. No, these are issues. It wouldn't matter what color the people were. It is the volume, it's the total numbers that we're dealing with, and we do not have the support services. Mais qu'on est à sécurité était une grosse préoccupation pour la population haïtienne. C'est une revendication Jeannot dit au déporté devant conseil la mairie dans une session qui était faite mardi 10 septembre. Il y a une carence dans la police et zone là. Yo conscient de ça tout. Nous demandé pour chercher de fonds fédéral ou bien state pour investir dans la police département pour faire recrutement parce que le nouer les polices non seulement la police a venir après 30 45 minutes mais le au fin temps de nous, yo ban nous caisse. Yo ban nou numéro caisse pour détective ou bien ça nous relé enquêteur t'a fait suivi le plus souvent suivi ou pas fait le suivi ou pas fait comme ça nous inquiète nous senti que c'est et yo prend nous à la légère mais c'est pas vrai c'est yo même qui a un petit problème y a dit la veille dans niveau city à tout qui cause gens de bail ça yo Obed Lamy pour VOA Creole depuis Springfield Ohio. Merci Obed Lamy. Obed Lamy c'est envoyé spécial VOA Creole dans Springfield, dans l'État Ohio. Donc c'est une question qui continue à dominer l'actualité à côté réaction absouti tout partout en Haïti et dans la diaspora haïtienne. Côté que eh ben il a dénoncé tout aspect pour yo qui pas bien campé par rapport à accusation ça. Ou sous VOA Creole, on suit un programme dans langue créole haïtien. Jeudi à ce vendredi 13 septembre 2024, restez branchés, n'a pas venir avec actualité internationale. Merci d'être toujours branché sur VOA Creole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info dernier sorti nous pour ce maintenant et nous saluons tout le monde qui dans moment ça et ben à suivre nous ou bien tout l'autre monde qui après le suivre nous en différé. Actualité électorale ici aux États-Unis, eh ben gain jeune électeur yo qui fait partie ça relé par bon ici génération Z là, eh ben capable faire une différence dans élection novembre 2024 là. Jean-Robert Philippe dit nous, républicain ak démocrate yo a cherché convaincre segment électeur ça yo pour voter en faveur. Jean-Robert Philippe. 41 millions jeunes américains qui ont en 18 à 27 ans a qualifié pour voter dans l'élection novembre 2024. Analyse fait connait nouveau groupe électeur ça yo capable faire une différence dans l'élection présidentielle là pas pour tête l'âge yo mais pour ça jeune ça yo représenté. The younger part of the population is going to become much more racially diverse than William Frey qui travaille pour Brookings Institution par les bouddhis groupe qui plus jeune dans population pour avoir plus mélange race comparé avec génération qui gagne plus l'âge et qui est les baby boomers. We're talking about a really diverse University dit qui donc parce que moitié jeune dans génération Z là c'est mon couleur yo environ un cinquième parmi eux identifié tête yo comme membre LGBTQ donc on connaît n'a parlé de une génération qui vraiment gagne pile diversité mais nous pas arrêté sous identité raciale yo mais sous connaissance avec expérience avec vision yo sous réalité a. Pendant Alberto Medina qui a parlé de toute diversité, groupe, secteur qui est dans la population, il a ajouté que presque moitié dans la génération Z là, a créé nouveaux électeurs qui qualifiaient pour l'élection 2024, c'est jeunes monde couleur qui qualifiaient pour voter dans l'élection 2024 là. Historiquement, jeunes électeurs n'ont pas voté en pile dans l'élection, tant qu'électeurs adultes. Mais jeune génération, ça a montré les plus actif politiquement que ancien génération yo. Professeur Medina a ajouté que une histoire qui était plus paraître dans la presse sur élection passée yo, c'est une gros augmentation dans participation jeune électeur yo. Par exemple, environ 39% dans yo t'es voté dans élection 2016 yo et puis 50% dans élection présidentielle 2020 yo. Dans l'élection mi-mandat pour membre congrès, donc les pas gagné course pour poste présidentiel là, jeune était plus actif dans politique passée génération avant yo, les était dans l'âge ça, les yo tap voté première fois dans une élection mi-mandat.
élection 2022, c'est la première élection mi-mandat côté génération Z là te gagne l'âge entre 18 et 24 ans. Plus passé 28% nan yo te voté en 2022. C'est plus gros participation par ces générations millénial là, génération X là avec baby boomer yo. 28% des électeurs qui étaient qualifiés pour voter en 2018 ont voté. Dans l'élection mi-mandat 2022, jeunes électeurs en général ont voté pour candidats démocrates plus souvent que républicains, mais plus jeunes électeurs, mesdames, ont voté pour démocrates parce que jeunes garçons. William Frey, dans le bouquin Institution, parle pour dire si Kamala Harris est capable de faire un souci à voter, probablement, Pifon a eu pour voter en faveur, parce que le pourcentage qui a voté pour Joe Biden. Analyse se fait qu'on est sans voix jeune électeur, républicain est capable de remporter l'élection mi-mandat 2022. L'engagé élection présidentielle 2024, dernier sondage fait croire que vice-président Kamala Harris n'a tête intention de voter devant Donald Trump parmi jeunes électeurs. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc c'est ça qui VOA Creole n'a pas tout aspect dans élection présidentielle. Ici aux États-Unis, hier nous parlons de mesdames, aujourd'hui nous parlons de jeunes. Donc toujours été branché sous VOA Creole pour capable gagner toute information sous élection ça. Et puis l'autre point d'actualité internationale, la Corée du Nord bayon aperçu que li pas fait facile sous programme nucléaire l'IA qui développé dans secret. Sandra Lemaire, quel détail. Média national en Corée du Nord publié vendredi image des deux pays à Kim Jong-un qui a visité l'Institut ZAM nucléaire côté l'été suivre essais en fusée et puis moyen ZAM qui n'a eu exposition force et spéciale. C'est une série image que l'Institut ZAM nucléaire publié a qui attiré plus attention. Rapport qui accompagnait Imagio dit Kim demandé qu'aucune augmentation ZAM nucléaire et puis chanté louange développement technologie centrifugio que yo servi pour créer matériel pour fabriquer ZAM nucléaire. Une autre série photo montrait Kim cap assisté dernier essai lancement fusée que Corée du Sud et Japon t'ai détecté tout. Monsieur t'a fait photo avec ZAM pendant soldat force spéciale t'a campé bon côté. Puis fort image yo, pas gain date sou yo et pas gain moyen pour vérifier yo. C'est média national Corée du Nord qui publie yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Actualité amène nous dans la région Moyen-Orient. Côté Israël, défend attaque li fait sur yon l'école Nations Unies qui était tourné abri dans centre Gaza. Et li dit que toutes six et travail aide Nations Unies qui parmi 18 moun qui mouri yo, c'était membre groupe Hamas. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit li pral parler avec Israël sous question pour protéger espace humanitaire pendant la critique groupe que États-Unis désigné comme terroriste et li accusé comme quoi yo caché dans espace civil. Gentil Augustin Junior. L'école Al-Jaouni dans centre Gaza recevoir frappe plusieurs fois depuis campagne militaire Israël là t'est en main comme réponse pour attaque terroriste Hamas 7 octobre 2023. Dernière attaque là, mercredi qui s'est passé ya, quitté 18 moun mouri. Palestinien ça, qui pas bay non li, ta fouillé dans débris yo. Li di. C'est un sac plein à cadavre moun qui t'est tombé dans attaque sous l'école là. Nous gen 340 jours kounye ya, depuis n'a traversé l'enfer. Nations Unies dit 6 nan moun ki mouri yo tap travay pou UNRWA, Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. Et parmi yo, manager abri ya. Environ 12 000 moun te pran refuge nan l'école la. Autorité Israël revendique attaque la comme quoi c'est yo qui te lancé li. Et dit travailleur aide yo c'est membre Hamas. David Menser,
porte-parole gouvernement Israël l'a dit. When a school is no longer a school, l'ayon l'école pas l'école encore et puis li vin tourner yon centre commande ak contrôle terroriste que Hamas utilisé pour planifier ak exécuter attaque terroriste contre troupes nou yo ak pep nou an ici nan état Israël là. Laisse ça si nous attaquer c'est yon attaque légitime. Nations Unies pas ni confirmé ni démenti accusation Israël là qui fait qu'on est employé ou noir qui mouri yo c'est même Hamas. Hier j'ai dit ya Secrétaire d'État américain Anthony Blinken mandé encore yon suspend tiré et puis li critiqué tout des partis. We need to see humanitarian sites. Nous devons protéger espace humanitaire yo. Et ça c'est un point nous continuer soulever ak Israël. Nous continuer ouais Hamas caché dans espace sa yo. Prend contrôle et puis servi ak yo pour faire opération li yo. Autorité Israël yo pas jam suspend akize travaille ou noir yo comme quoi yo se allié groupe militant Hamas nan Gaza. Pendant ce temps, Tiki akize Israël et li annonce propre enquête pali sous la mort Haysenou Exi Egi, yon militant Tik américain que force israélien yo te touye semaine passée ya pendant yo t'a protesté contre construction colonie yo nan Cisjordanie occupé. Tayyip Erdogan président Tik la dit nous pral prend toute mes illégal pour assurer que sans Haysenou Hezgi Hegi nou an parete a terre. Campagne Israël nan Gaza rive sous 11 mois malgré pression États-Unis pour départi yo rive joine yon entente pour suspendre tiré et pour Hamas bo côté pali la gè otage li kenbe yo. Patsy Wida Kusawa, VOA News, Maison Blanche, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Dans Sénégal, président Bassirou Diomaye Faye, eh ben, il dit sous l'Assemblée nationale là, et fixé nouveau élection législative pour mois novembre. On a loué ça à peu près. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. Oui, président Bassirou Diomaye Faye, qui était élu en mars dernier avec promesse pour porter bon changement dans le pays, a annoncé les dissoudre l'Assemblée nationale et fixer nouvelle élection législative pour 17 novembre 2024. Dissolution ça visée pour joindre une majorité stable pour le gouverner alors que la législature écrasée a été pris pouvoir en 2022 côté quand ancien président Macky Sall là Macky Sall qui paraît même, eh bien, quand ça a continué à dominer. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Président Bassirou Diomaye Faye parlait comme ça dans un discours qui passait sous télévision nationale côté il y ajouté blocage qui arrivait dans dernier jour passé là-haut dans l'Assemblée nationale là convaincu que réaliser une collaboration franche et sincère avec majorité parlementaire c'est un rêve. Chef l'État 44 ans profiter dénoncer mauvaise gestion ancien président Macky Sall dans finance pays. Et ils promettent la publier rapport ça qui joigne approbation cour des comptes. Gain réaction département qui sortit sous dissolution ça qui sous première page tout journal pays. Je trouve une telle décision sage, la dissolution de cette assemblée là est tout à fait normale. Je trouve une décision logique dans la mesure que pour leur permettre de bien diriger, ils prennent peut-être état le mort à la vie. Tant que nous attendons là dans la langue française et dans l'autre langue pays, puis fort moun croit que c'est une bonne décision. Mais il y a l'autre qui dit qu'il était qu'à quitter législature fini mandat 5 ans là parce que yo même tout, yo était élu démocratiquement. Il y a l'autre voix qui dit Premier ministre Omar Sonko
te doit faire déclaration politique générale devant député yo et dit qui jan gouvernement là pral fonctionner qui jan pral résoudre problème pays a. Et s'il est pas convaincant, président Fay t'es capable choisir yon l'autre premier ministre, ça veut dire que l'état prend yon vote censure. Mais premier ministre Sanko t'es déjà dit que pas gagne bagaille comme ça, pas gagne vote censure parce que l'était déjà connaît que président Fay t'a pral craser 14e législature. Et je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12. Et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être député à l'Assemblée nationale. Sénégal a vécu une nouvelle page dans l'histoire pays, surtout avec une nouvelle équipe gouvernementale là, qui gagne en tête le président Bassirou Diomaye Faye, avec le premier ministre Omar Sonko. Et puis, il faut dire que dans le moment où on a parlé là, il y a 39 personnes qui mourent pour pipiti dans un naufrage bateau qui a transporté illégalement immigrants dans la direction l'école, dans la direction l'Europe. Plutôt, recherche a continué. Autorité a dit que bilan capable pis salé que ça. Et vous souvenez, vous avez suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Et puis, je vous dis, c'est vendredi. C'est l'heure pour nous connaître ce qui a passé dans l'industrie musique haïtienne, et HMI là, avec Jude Déoncé. Valence Fleurimont, alias Vague la Vie, artiste rap créole, t'est performé dans ville North Miami week-end passé. Après performance, le rappeur a été dans micro vé wa créole et fait connaître que mouvement rap créole n'a pas avancé Jean Tadouéa. Il fait connaître que en pile mélomane plus sous dans ses compas que tant des rap créole. Là nous même nous gars doit un message dans aborder là dans compas mais quand même on danser. A dit rap créole là son mouvement révolutionnaire, son bagaille pour révolter contre ça qui passe. Nous même nous allons mettre petit fougla dans nos vallées des rades, mais nous avons plus sous danser, parce que nous avons plus sous venir retirer stress. Vous comprenez même pas du mouvement rap là, pas un bel mouvement non. Après, il faut que qui dans rap qu'on y a venu nos petits gens mélangés, bah yo petit compas mélangés, petit trap compas, petit bah pour arriver sous mon plus. Vous comprenez comment ça. Bon, depuis dernière musique entrée toute là, qui te font un bel hit, c'est comme si nous t'adou là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas fini dans d'autres longtemps, ou du coup on a serré pour qu'on ne pas être à notre bagage là. Non, non, fait bah bon, nous tout là, on musique la vidéo qui se gère c'est debout. Au revoir, nous de la gueule là, mais c'est pas notre dans spam non. Nous devons faire un message passer, mais pour qu'on y a là, nous avons quelques rabodai qui n'ont ou la cap vini, bagasse le grand Jean peuple à remel, bonne beauté pour nous sous machia. Et ça fait pas plus ça de nous. Tant yo de nous moins, c'est plus notre travail. Vous comprenez? Dans le moment que nous vivons aujourd'hui, quel message vous avez pour Haïti en général, pays d'Haïti surtout? Bon, message je trouve bon. Chaque jour, nous avons un message pour Haïti, nous avons chanté pour Haïti. Et nous avons des gens qui ont fait des choses. Nous avons 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 fait des choses. C'est changement nous tout avons voté. La caille, nous avons fait des choses. C'est la caille, nous avons fait des choses. Nous avons fait toute énergie, nous avons besoin, mais dommage. Nous partis, nous pas voyager, nous partis involontaires. C'est donc que c'est mon yo mettez nous dehors. L'endé qu'on a voyagé, c'est l'endé qu'on décide à le faire TV touriste. Là, nous pas voyager, nous partis. Parce que l'endé dans l'autre pays, nous tous confiés pour nous faire ces selfies, nous ces vidéos, pour nous dire là. Mais l'endé dans pays nous, l'endé finale, nous plus j'ai lagué de là. Donc comme d'Haïti 9 juillet, et l'endé monté 17, m'lagué vidéo pour passer m'la actuel. À ce qu'on pire, c'est là la caille ou vaca. Mon toi vivre parce que d'ailleurs mais toi elle fait photo bon monument historique nous tout mais les niveaux l'autre côté ne plus à vendre image l'autre côté où nous même les niveaux la caille nous dit qu'être nous pas besoin qu'on est si nous là qui obstacle nous car je n'ai l'en finale n'a pas d'inté là mais j'ai longtemps les artistes ont des années été rares à venir pour airport on prend les artistes à fierté pour des trois battre nos vins pour bagaille et qu'on y a venu en cachette au côté venir autour de la caille où 8 est couvert fait et ça fait l'eau là tout. Ou vin produit moins, on moun di ba imagine, parce que en habitation, ou jwenn tout sop chèche ya, ou ka la Haïti ou fon mizik, ou li vin jwenn l'abandon la, ou fon mizik pou l'rive jwenn Haïti le difficile. Parce que de l'en Haïti n'a voué la, ou moutou, ça veut dire la tout. Par contre, ou on moun ki tout la bie passe la, bah oui. Pour toute nouvelle, sauvé d'être yon, et Chema Elan, non pas, c'est juste de on serait pour Vewa Creole, Miami. Merci Jude, Vague la Vie.
et avec Jude Deonstré depuis Floride. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. Nous avons remercié tout le monde qui a participé dans le programme. Nan. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous avons souhaité nous passer un bon week-end. Et puis, Jean-Robert Philippe Remedy, nous, si nous conduit pas bois, si nous pas conduit, et puis rejoignez-nous lundi. Mais en attendant, consultez toute plateforme nous pour nous capables de gagner dernier point sur l'actualité en Haïti et à l'étranger. Moi, c'est Jacques Lambézière. Bonsoir. Qui vous-même, soit en Haïti ou dis-moi à l'étranger, qui toujours prend le temps sans yo pour être capable de garder ensemble l'émission. Je dis à l'émission ça, laissez-moi dire non. Moi, je suis arrivé dans Springfield, Ohio, et je regarde ensemble des réactions qui ont sorti, bon côté différentes autorités en Haïti ou à l'étranger. Il y a un gouverneur État Ohio qui réagit sur dossier ça par rapport avec question et campagne dénigrement qu'a fait contre migrants. Bon, migrants, mais surtout parler de haïtiens. Et dernièrement, là, dans un débat qui fait par président, alors ancien président et candidat à la présidence, n'a pas de Donald Trump, dans la question Springfield, Ohio, migrants qui a mangé chat, qui a mangé chien, qui a mangé canard. Je vais regarder les réactions. Et mégastar haïtienne n'en a parlé de Wyclef Jean. Alors, c'est américain d'origine haïtienne. Monsieur qui réagit et qui est ensemble de autorité dans Floride, qui c'est d'origine haïtienne, qui au même tout réagi sur dossier Sainte-Calvine avec ses déclarations sa yo. Nous allons analyser en même temps. Et nous allons regarder comment que sa yo, selon sa cap dit, et pas premier froid que genre de déclaration, genre de discours sa yo a fait sous migrants qui vivent États-Unis, et spécialement haïtiens. OK, migrants qui vivent États-Unis pendant des années, et spécialement haïtiens. Et pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a une élection aux États-Unis, toujours que ça ne relève soit notre discours républicain ou dis-moi est-ce que notre discours démocrate, bien ou gens yon ouais question immigrant ou dis-moi est-ce que ouais question immigration la caillou. Et ça toujours fait de gros débats électoraux. Parfois les haïtiens personnellement, yon parle de tout immigrant qui moun qui immigré aux États-Unis. Et m'a dit que haïtien pas seule nation qui immigré aux États-Unis. Non. Est-ce que nos comportements tout gens que en pile critique a fait de haïtien yo, est-ce que c'est seulement haïtien qui comportement ça, c'est des questions à poser. A bien dit. C'est des questions à poser. Comme moi-même, moi c'est haïtien. M'a gardé communauté haïtienne aux États-Unis. Hein? Mais si nous t'amener une enquête, moi t'a capable dire que haïtien qui vivent aux États-Unis, yo t'a parmi immigrants qui peut-être non comportement une ou bien l'autre capable de déranger avec États-Unis. Bah, on comprend ça me dit bien. Elle dit m'a pas dit haïtien c'est unique nation qui réside aux États-Unis mais qui vit aux États-Unis qui a un comportement qui est vraiment critique. M'a joindre de l'autre nation tout qui vraiment critique dans de comportement yo aux États-Unis. Parce que pas oublier notre question crime. Grand pile crime qui fait aux États-Unis. Et en pile crime ça yo, li pas seulement américain petit terre, li pas seulement black américain j'en capable dire là. Li pas seulement comme si li mélangé avec différentes nations qui vivent aux États-Unis. Et en pile fois yo garde spanish yo, vénézuélien yo, mexicain yo. En pile yo comme de immigrants qui impliqué en pile fois dans question crime aux États-Unis. Ça dit, il faut que nous regardions des bagages bien. Je dis, je ne vais pas chiter à l'émission sur ça seulement, mais il est important pour nous parler de lui. Parce que je connais en pile, mon cap suivre mes sacs nouvelles et cap suivre l'émission, il y a des haïtiens qui sont dans la diaspora. Il y a des haïtiens qui sont dans la diaspora et surtout aux États-Unis. Ou dis-moi ce que ça m'a dit à clair. Même les physiquement, ou pas aux États-Unis, ou t'as Haïti, ou dis-moi est-ce que, ou Haïti,
ou bien un monde quand même cap vivre aux États-Unis. Et ça me dit am signé derrière lui. Signé derrière lui. Et je dis m'le que dans émission ça que m'gal garde point ça avec nous. M'ba vinn faire juge. M'ba vinn condamner. M'ba vinn faire office de porte-parole. Au contraire, si m'ta proposition, si m'ta gon comportement m'ta gagner, m'ta gon comportement de avocat, m'ta gon comportement de juge, m'ta gon comportement de porte-parole haïtien. Mais en même temps tout, lorsque juge va juger, faut juger bagala bien. Est-ce que vous comprenez ça m'le dire? M'ga regarder ça. En même temps tout, on apprend que gagner PM Garikoni qui lui-même t'est accompagné avec ministre Travaux publics, transport, communication, MDPTC, qui fait une visite dans diverses rues, dans divers axes, sous chaîne masse. Là. Mais on a dit que dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Là. Dans l'idée pour garder dans quel niveau que l'association criminelle vivent ensemble, qui gagne comme porte-parole et président, on est un coup barbecue que tout le monde connaît sous notre Jimmy Cherizier. OK? On est un coup Jimmy Cherizier. Ancien policier fait 14 combien d'années dans la police, non? Et je dis, hein, il c'est une pour moi dit plus gros chef gang qui existait. On a vivre ensemble. Parce que pas oublier Jimmy Cherizier li consacrer les métiers des armes. On a fait 14 ans dans la police, ça veut dire que li kon ande vent la police non. Et li contribuer nan former nan mettre ensemble de nèg sa yo qui fait partie réseau criminel vivre ensemble non. Est-ce que comment ça me le dire? Que donc je dis moi c'est que on regarder ça. On va regarder guerre qui déclenche tout en dedans plus gros but de ville pays qui c'est cité soleil. Et guerre ça qui déclenche yon, entre trois blocs en de Cité Soleil, qui c'est Simon Pelé, Belécou, Boston. Et trois blocs ça yon, nous connaissons depuis mercredi dans le 11 septembre. Gon véritable bataille qui déclenche après un match football, bagala mal fini, gon équipe qui va accepter perdi, sortant de là, bataille pété, plusieurs bandits mouri. Plusieurs mobs dans la population civile ont mouru. Et tout canon a souhaité jeudi, qui c'était 12 septembre, non? Et pendant toute journée vendredi, qui c'est 13 septembre, non? Mais coup de balle continue à chanter dans trois blocs Sayo, Simon Pelé, Boston, Belécou. Et qui ça barbecue dit dans le magasin? Puisque c'est pas parole vivre ensemble. Lycée porte-parole et président et G9 en famille alliée. Ça le dit, barbecue, t'as capable d'avoir une explication de ce qui a passé là. Et qui m'a dit bien, ouais, ça qui a passé, vous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait au mal pour mon innocent qui a mouru? Mais si c'est ne qui n'a mauvais affaire, qui a goumé, qui mourit, ça fait garder yo. Ça fait garder yo. OK? Ça fait garder yo. Et, je regarde ça, puisque dans même journée vendredi 13 septembre, non? Gè plusieurs citoyens qui vivent dans différentes localités en dedans commune Cité Soleil. Zone Sat, zone Aral, zone Neret, dans Rémi et zone Ténoir, zone bon, la Couronne, c'est journée. Yo décidé marcher puis yo dénoncer, critiquer selon ça yo dit comportement plusieurs policiers. Yo dit qui dans plusieurs chablendé dans zone Kafoudouyar, qui apprend jeune garçon, jeune femme yo, à touye yo. Selon ça, yo dit, moi répéter parole moun yo. On comprend? Pral gade nous mêmes. Et, nan réflexion nous, nan analyse nous, pour nous garder comment ça moun yo dit, qui parle de vérité que le gagne, et qui parle de mensonge que le gagne, ou dit moi est-ce que, est-ce que la police nationale d'Haïti, est-ce que l'armée d'Haïti, est-ce que force de l'ordre yo, yo pas ta capable plus professionnel dans opération yo, dans intervention yo.
Et lorsqu'on a analysé avec nous ces dossiers que nous avons un scandale corruption BNC, avec ancien président du conseil d'administration BNC, hein, M. Raoul Pierre-Louis, avec trois conseillers présidents, on a parlé de Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et puis Emmanuel Vertiller. Trois messieurs sœurs que nous avons cité dans le scandale 100 millions de goudes qui ont été demandé selon M. Raoul Pierre-Louis, qui ont été demandé. Et ça fait de gros tollé. Dans le jeudi 12 septembre, nous avons trouvé une confrontation entre Smith Augustin et puis Raoul Pierre-Louis. Et tu as trouvé une confrontation entre M. Pierre-Louis avec tout l'autre conseil. Alors, trois l'autre conseiller qui impliqué dans le scandale corruption 100 millions de gouttes. Malheureusement, que M. Pierre-Louis pas en Haïti, selon avocat, et M. pas en Haïti, avocat M. Saint-Louis, monsieur dit que c'est lui-même comme avocat, M. Pierre-Louis t'a demandé confrontation directe avec M. Pierre-Louis et puis trois conseillers. Et il t'a demandé avec PM Gary Koni pour te assurer que yo bay bon jan sécurité avec M. Pierre-Louis parce que la ville en danger. Et M. Sonnet, c'est lui même dit tout. Pour que des confrontations directes entre Mounsay, entre client là, M. Pierre-Louis, avec trois conseillers sa yo, faut que ça ne relé, faut que trois messieurs sa yo démissionner. Voilà que jeudi 12 septembre, non? Conseiller Smith Auguste était présent à tout avocat. Mais Mario Delcy, malheureusement, M. Raoul Pierre-Louis, selon ça qui dit, à tout avocat, M. Sonnet Saint-Louis, n'est pas présenté. Nous pourrons analyser ça. Nous regardons tout bataille qui gagne, bon côté ou ensemble de secteurs, dans la question de vous et représentants, pour aller former le conseil électoral provisoire. Bataille dans le secteur protestant. Bataille dans le secteur droit moun. Bataille dans le secteur femme. Bataille dans le secteur paysan. C'est bataille qui boit pas bois dans la question vous et représentants, yo, dans le conseil électoral provisoire, qui a pour organiser l'élection, j'ai haïssé remédil, élection crédible, élection honnête, transparent, en dedans pays. Hein. Mais c'est l'Haïti où tu as tout qualificatif dans la question élection. C'est l'Haïti où tu as tout qualificatif, élection crédible, honnête, transparent. Ok? C'est seulement et l'autre de tout bagage ça. Vous comprenez? Même parce que, je dis, hein, pendant que nous pouvons, selon tout le monde, nous pouvons sentir vraiment qu'il y a un battre, qu'il y a un cap fait sérieux dans la question de battre avec les gangs. Parce que nous disons jusqu'à présent, si nous pouvons capables de grands axes routiers payants, qui c'est route sud, Matissa-Fontamara, route nord payant, qui c'est Canara. Tout autant que vous pouvez capable de grands axes routiers ça débloquer pour vous même pour vous un sérieux qui fait. Tout autant que vous pouvez capable route nationale numéro 8 là en bas mon cabri toute zone ça débloquer pour vous même pour vous un de sérieux qui fait. C'est ça mon dit. Est-ce que la police est présente au niveau Badelma? Est-ce que la police est présente dans le niveau bisatonial, hein? C'est des questions que nous avons posées. Est-ce que l'opération est occupée? Est-ce que l'opération est possible? Nous prenons le cas de ça. Et nous prenons le cas de tout. Rivé soldat de l'armée jamaïque, non? Et puis, policier toujours dans le pays jamaïque qui rivé. Et il y a deux soldats du pays Belize qui ont tout rivé tout. Dans le pays, hein? Jeudi 12 septembre 2024, là. Il y a une augmenté présence officier Kenya était déjà là dans le pays. OK? Et qui ça pral porter comme solution plus? Qui ça pral fait en plus? Parce que pas oublier les États-Unis, ils continuent à bailler véhicules blindés. Les États-Unis continuent à bailler machines blindées. Pendant ce temps, en plus monde d'accord comprendre que je dis hein, véhicules blindés pas suffit seulement. Dans aider résoudre sa guerre comme insécurité. Parce que nous avons besoin de moyens en l'air, j'aime le dire,
nous besoin moyen à terre, nous besoin moyen sous l'an mer. OK, moyen en l'air, moyen à terre et moyen sous l'an mer pour aider dans résoudre cette guerre là comme situation insécurité. Ensemble de points ça aux amis internautes qui a gardé émission ça en Haïti quoi à l'étranger. Nous allons analyser et nous allons questionner. On nous garder d'abord ça qui est d'actualité surtout avec question Springfield, il y a une ville, une communauté, un bloc dans l'État Ohio aux États-Unis. Ça qui est presque deux semaines. Il y a une campagne, il y a des déclarations que je dis qui ont qualifié comme de fausses déclarations. Qui pas qu'il y sous un, qui pas qu'il preuve. Dans la question, les immigrants qui vivent dans Springfield, Ohio, et immigrants haïtiens, précisément, qui est accusé de manger chat, de manger chien. Bon, chien, lui, même c'est trompe qui dit. Sur les, dans des balles d'affaires, de manger chien, de manger bête, comme si bête domestique, mon yon gade la caillou. Bon, bien que dans des débat qui est fait là, dans ABC News, débat Kamala Trump, non, sous ça, tu peux te parler. Journaliste qui t'a mené, modérateur qui t'a mené interview, il fait connaître que. Et autorité dans Springfield, fait qu'on n'a aucune doléance, aucune plainte pour recevoir dans le dossier ça, par rapport avec ça a dit de immigrants qui vivent dans la zone ça, et surtout de immigrants haïtiens. Moi, regardez et moi, attendez en pile haïtien, soit qui résidait ici pendant des années. Moi garder tout de américain d'origine haïtienne, haïtienne. OK? Américaine d'origine haïtienne. Et de l'autre haïtien qui est entré aux États-Unis, soit par visa, soit qui est entré dans le programme parole humanitaire, soit qui vient passer par Mexique, par Chili, par Nicaragua pour entrer aux États-Unis. Et m'gade tout réaction. Haïtiens qui vivent dans plusieurs autres pays à travers le monde, haïtiens qui vivent en Haïti. Ce dossier ça. En grande partie, en majorité, ça li fusqué haïtien yo. C'est-à-dire majorité haïtien, les autant de déclarations ça, li fusqué yo.